Bonjour tout le monde, c'est Absolucario. On se retrouve aujourd'hui pour le coffret Légende Brillante Darkrai GX Chromatique. Waouh, regardez-moi ça. Il est plutôt sympa, très violet. Très très violet. Bon, c'est cool qu'il fasse des Pokémon chromatiques comme ça en carte GX alternative, on va dire. Parce que celle-ci, elle est déjà dans une série. C'est plutôt sympa. J'ai vu qu'il y a un coffret qui vient de sortir, là, c'était Zygarde Chromatique. Ça peut être sympa aussi. On va s'ouvrir ça tout de suite, j'ai hâte. Parce que Légende Brillante, c'est vraiment une série que j'adore. Il manque beaucoup beaucoup de cartes, donc dans tous les cas, c'est tout bénef. Si j'arrive à enlever un plastique, ça serait bien. Hop. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez ouvert aussi. Si vous l'avez trouvé, moi pour ma part, je l'ai acheté à King Jouet. King Jouet, il leur en restait encore un petit peu. Donc n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse, je crois que c'est 25 euros comme tous les coffrets actuels, même si c'est aléatoire parce que des fois il y a 5, il y a 5 boosters, des fois que 4, et c'est le même prix, donc c'est un petit peu arnaque des fois. Voilà. Hop. J'essaie d'enlever la carte sans l'abîmer. Sans l'abîmer, ce serait bien. Voilà. Moi j'ai tout par terre, hein, j'en ai rien. Je m'en fiche. On va voir si elle est bien. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Voilà, elle est très belle, hein. Franchement, top. Les couleurs sont très sympas. Bon, c'est exact, mais je sais plus de quelle série elle est à la base. C'est pas marqué. C'est pas du tout marqué, donc je sais plus quelle série. C'est peut-être Ombre Ardente, un truc comme ça. Très bien, elle est très jolie. Hop. On a 4 boosters, donc on a quoi? On n'a pas... je sais plus lequel c'était. Zoroark. J'ai oublié qui était la 4ème illustration, c'est pas grave. Genesect, Mewtwo et les deux petits Mew Shiny. Très très bien. Hop. La Jumbo. Tac. Petite carte Jumbo. Petite grosse carte Jumbo. Sans que moi j'ai un classeur où je mets les cartes Jumbo, je vous montrerai sûrement, peut-être à la fin de la vidéo, je vous montrerai mon classeur. Celle-ci, ouais, ça rend très bien, moi j'aime bien. Hop, allez, on va faire dans cet ordre-là. Hop, j'ai une secte chinée. Allez, donc on vise rien, on verra. Regardez-moi ça, les films, ils... souvent avec moi, mais quand je les ouvre, les films, ils restent, les films plastiques là. Un petit peu pénible, hein. Hop. 1, 2, 3, 4. Remarquez, un peu abîmé là. Malheureusement, c'est comme ça de sortie de booster. Hein. On n'y peut rien. Allez, on commence avec l'énergie acier. Énergie de distorsion. Electrode. C'était Flout. Le petit matoufeu. Posipi. Mustéboué, on aurait déjà eu Mustéflotte tout à l'heure. Une des plus belles cartes de la série, Zorua. Le petit tabot. En reverse, on va avoir le Negapi. Très sympa. Puis Posipi qui lui court après. On finit avec. Et ben Entei GX. Et vous savez quoi? Je ne l'ai pas. Donc ça, c'est très bien. Je crois que c'est une des seules GX que j'ai pas dans la série. Donc ça, c'est vraiment très cool. J'ai du bol. Parce que pour avoir déjà eu Raichu 4 fois, c'est bon. Donc ça c'est vraiment bien, le petit Entei. Donc celle-ci en plus je l'ai déjà, enfin le Entei du coup je l'ai déjà moi en full art et en rainbow. Donc, il manquait la GX, c'est simple. C'est vraiment cool, en plus elle est vraiment jolie. Même si ça fait un peu un poil un peu trop lisse, mais bon. Ça rend pas mal franchement. Continue avec le Mewtwo, qui lui n'est pas shiny sur l'illustration. Ça fait bien une petite carte brillante, ça fait... J'aime bien. Qui n'aime pas, remarquez, les cartes brillantes. C'est surtout ce petit relief de full art sur le Pokémon qui rend vraiment ces cartes vraiment top. Quoi. Alors, on attaque avec l'énergie feu. Tili. Coller ma stock, il y a vraiment beaucoup de rainbow, enfin
pas beaucoup, mais il y en a quand même des rainbows dans cette série. Pour compléter, c'est un peu compliqué. Mais bon, pour les full art, il y en a quand même beaucoup. Hein. Poltorb, Crocodile, Bagiguan, Matoufeu, le petit Posipi, Bagaid, en reverse, et on finit avec Manaphy holographique. Voilà, dans cette série, hein, une holographie. Si on n'a rien, on a forcément une holographique. Après, on fait vite le tour, il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, 73 cartes, hors secrète, c'est pas énorme. On a l'habitude de... au double, d'habitude. Alors, le Mewtwo. Le Mew, pardon. Je refais la blague, hein, Mew plus Mew, ça fait Mewtwo. Mais qu'il est drôle. Vous pouvez marquer un commentaire, mais que tu es hilarant, absolu carieux. Oh là là, je me tords de rire. Je suis en train d'arracher tout le booster. Tac. Ben, si je prends une carte avec, ça doit le faire. 1, 2, 3, 4. Hop là. Zerdi. Avec l'énergie feuille. Parce que j'ai envie de dire énergie feuille. Super rappel. Spiritomb. Golemastock. Posipi. Liputu, complètement taré. Crocodile. Bagiguan. Un petit Pyronil. En reverse, on aura le petit Bulbizarre. Très joli. Pour finir, on aura. Oupa, holographique. J'aime bien la forme déchaînée d'Oupa. Même s'il est quand même plus mignon dans sa forme normale. Hein. Bon, allez, mise tout sur toi, Mew. La légende. La légende brillante. Voilà. On aurait pu appeler ça légendaire brillant. Hein. Là, c'est légende brillante. Ma foi. 3-4. Je vais y arriver. Allez, dernier booster. Énergie feuille. Hyperballe. Alligatueur. Je crois pas qu'il y ait de objet secret dans la série. Tilly. Pyronie, Bagiguan, Crocodile, Liputu, complètement folle, Posipi, en reverse on a Spiritomb, et pour finir cette ouverture, Palkia, voilà. Bon, bon, on aura quand même une pioche. Sur le 4 booster, on a quand même une Jinx, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Puis je l'avais pas, donc que demander de mieux. Un petit NTGX, très bien. Hop, puis je vous remonte la promo quand même, qui est très sympa. Le Darkrai GX. Shiny, attention. Shiny. Elle est très très jolie aussi, hein, franchement. Si vous... voilà. N'hésitez pas à prendre les coffrets, hein, parce que... dans tous les cas, c'est vraiment très aléatoire, vous pouvez tomber sur 4 ultra rares. Les gens de brillante est assez... comment dire... généreux, comme c'est une série assez généreuse. Mais après, ça dépend, hein, c'est... comme pour toujours les cartes Pokémon, ça c'est d'aléatoire, voilà. Une méga pioche comme rien. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez acheté ce coffret, si vous l'avez ouvert, ce que vous avez vu comme pioche. Et puis si vous avez aussi, si vous l'avez ouvert en vidéo, donnez-moi le lien, ça m'intéresse de regarder. Je vous dis à très très bientôt. Je sais pas ce que j'ouvrirai la prochaine fois, faut que je trouve un autre coffret. Voilà, je vous dis à très bientôt, je fais des gros bisous et à très vite. Ciao ciao.